L'hymne national exécuté par une fanfare et une chorale exceptionnelle sous les battements rythmiques d'une Amazone. Super mise en scène des super anges Wendonabua. Bienvenue au Festival international de danse à gogo, 11e édition. Le maître d'ouvrage de ce grand rendez-vous culturel, c'est lui, Alade Koffi Adolphe, fondateur des super anges depuis 1986. Plusieurs groupes de compagnies de danse sont venus du Bénin, de plusieurs pays d'Afrique, de l'Europe et d'Asie pour participer à la 11e édition du Festival international de danse à Gogo. Du jeudi 9 au dimanche 12 janvier 2020, 4 jours pour le festival et 4e participation pour le ministre Jean-Michel Hervé Babalola Abimbola qui avait déjà lancé les éditions 2012, 2013 et 2014. Et c'est à juste titre qu'il en sort honoré. Ce projet s'inscrit dans le programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon à travers le pilier 2, engager la transformation structurelle de l'économie, en son axe stratégique 4, qui appelle à l'amélioration de la croissance économique, qui met en œuvre le département chargé du tourisme, de la culture et des arts. Devant Bella Agosu, actrice internationale du cinéma, et d'autres personnalités, et pas des moindres, Madame Jessica est toujours avec nous. L'on a certifié le festival conforme à la vie culturelle et cultuelle de la ville touristique aux trois noms, Passé, Glehoué, Ouida. Il ne saurait être autrement au regard de l'ambition programme de développement touristique prévue par le gouvernement de Patrice Talon au profit de la commune de Ouida. J'ai la ferme conviction que notre ministre a le génie de conduire ce ministère et son retour nous a vraiment réjouis. Monsieur Jean-Michel Abimbola, vous êtes le re-bienvenu dans votre ministère. À ce lever de rideau, une troupe d'amateurs venus des États-Unis d'Amérique a marqué sa présence. Le temps d'installer les danseuses professionnelles Makandiola formant le CFATB, le collectif des femmes artistes de troupes de ballet.